Eh bien salut tout le monde, c'est Farage, on se retrouve non pas devant le château de Tycoon comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, mais devant le château où se trouvait dans le royaume du cristal de l'eau, parce que je me trompais simplement, c'est pas dans le château de Tycoon, Shiva c'est la glace, c'est l'eau, donc je me suis dit que c'était plutôt dans ce château. Donc aujourd'hui, on va essayer de récupérer Shiva, enfin déjà de la trouver, ensuite on part juste voir jeter un œil au désert, et on termine par la... Par le... Comment ça s'appelle? L'île où est censé se trouver le cristal de la terre. Donc voilà. Alors j'avance un peu au pif, mais là c'est la chambre du roi, ça doit pas être là. Là-bas y'a rien. Là, ça mène où ça? Premier étage. Tiens, j'ai pas été ici la dernière fois. Si? Je sais plus. Si, j'avais dû. Ah oui, si, je m'en souviens. Si, j'ai été. J'ai été, c'est pas là. Là, ça mène où? L'entrepôt, c'est pas là. Alors, c'est peut-être par l'extérieur, en fait. C'est peut-être pas dans le château, mais à l'extérieur du château. Attendez. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire le tour ou d'aller dans l'eau ou non? Il doit avoir un moyen de sortir par là. Ça, c'est pas une porte. Ah, mais voilà, c'était une porte. Ça, j'avais pas été ici. Donc, c'est peut-être par là. Donc là, on est dans l'eau, la cascade là. Tour des eaux rez-de-chaussée. Ça, c'est un lieu dans lequel Shiva pourrait se réfugier. Hein. Est-ce qu'il y a des monstres? C'est quoi? Ça doit être Shiva, ça, j'imagine. Alors, il y a des monstres. Attendez, pas auto. Attaquer. Parer. Attaquer. Attaquer. Bon, visiblement, ils ont pas l'air très forts, les monstres. Ça veut peut-être dire qu'en fait, Shiva, j'aurais pu très bien pu l'avoir au début. Alors je suis désolé si vous me l'avez dit dans les commentaires que je l'ai pas récupéré à ce moment-là. Hein. C'est pas que j'ai pas écouté vos commentaires ou quoi que ce soit, c'est simplement que... n'oubliez pas que les vidéos qui sortent l'été, je les tourne en général en avance. Donc je peux pas toujours tenir compte de suite de vos commentaires. J'en tiens compte mais un peu plus tard quoi. Je suis Shiva, la déesse de la glace. Si vous voulez faire appel à moi, vous devez d'abord me vaincre. Pas de sushi. Alors, on va essayer de voler Shiva, voir ce qu'elle a. Magie noire, foudre sur tout le monde. Toi, tu te calmes et toi, tu attaques Shiva. J'ai même pas vu ce que j'ai volé du coup, j'étais dans le menu. Bon, allez, on va faire comme ça. Ça devrait aller. Rien à voler, ok. Alors, tu vas attaquer directement Shiva. Toi, tu continues avec foudre. Toi, tu soignes tout le monde. Et voilà. Ah, bah déjà, ouais, clairement. Shiva, en fait, j'aurais pu l'avoir dès le début, je pense. Ok, parfait. Un cri au sceptre en plus, mais j'en ai déjà un. Invocation apprise, Shiva, parfait. Bon, on a Shiva, on a Ifrit, on a Ramu. Il manque qui? Léviathan et Bahamut, probablement. Bahamut, je... Non, pas Bahamut. Léviathan, je présume qu'il doit être derrière la cascade qu'on a vue dans le village précédent. Ah, d'accord. D'où la porte qui est là. Je me disais pourquoi ça mène à rien là. Parce qu'en fait, ça permet de re-rentrer dans le château. D'accord. Ok, très bien. Bon, bah... On peut sortir. Direction le désert et après direction l'île où est censé se trouver le cristal de la terre. Donc le désert, c'est par là. Regardez les yeux du chocobo. Ils doivent vraiment forcer. En même temps, il porte 4 personnes. Tu m'étonnes qu'il souffre un peu.
Alors, là c'est la bibliothèque des anciens, tac tac tac, et là on arrive dans le désert. Donc, il y a une pyramide, ouais. Là, il y a tac 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 tac, un village. Alors, une pyramide, un village, le problème c'est que j'ai pas d'endroit pour me poser. Est-ce qu'on doit y aller maintenant? Je sais pas. Parce que l'endroit pour se poser, ouais, ça veut dire qu'il faut quand même que je traverse tout le désert à pied. Oh, allez, allons voir. Soyons fous. On va juste sauvegarder des fois que les monstres soient trop forts ou quoi que ce soit. Voilà. Et on y va. Allez, on sait jamais, hein, après tout. S'ils nous permettent d'y accéder dès le début, c'est que malgré tout, on est censé pouvoir y aller. Attaque. Paré. Voilà. Alors, est-ce que je vais tomber sur la chimère? Ah! Désert des sables mouvants. D'accord. Ouais, désert des sables mouvants, sauf que là, je peux rien faire d'autre. Et là, c'est pareil. Donc en fait... Non, je pense pas que je puisse y aller maintenant en fait. D'accord, ok. C'est pour ça qu'ils nous ont mis l'accès dès le début, c'est parce qu'en fait on peut pas y aller maintenant. Sûrement que les sables... Peut-être que si le cristal de la terre est détruit, après les sables vont arrêter d'être agités, on pourra passer, il y aura sûrement un truc comme ça. Bon, pour l'instant, allez. Disparaissez les abeilles couates. Disparaissez et... objet, parce que j'en ai profité en off pour acheter quelques trucs. Trier. Voilà, collir. Voilà. Allez, on reprend mon petit chocobo. Ou pas. Alors, niveau supplémentaire, parfait. Ils sont quel niveau maintenant d'ailleurs mes persos? Non, c'est pas ce que je voulais faire. 18, bon c'est pas mal. Enfin j'imagine, je sais pas. Je sais pas si je suis en avance ou pas. Bon, bref, allez, on va sur l'île. La voilà. Ouais, la voilà, sauf que... La voilà, mais comment je suis censé me poser là? Comment je suis censé me poser? Est-ce que c'est par là que je suis censé rentrer? Peut-être pas finalement. Parce que là, par exemple, je peux me poser, mais ça sert à rien. Là, c'est pareil. J'ai été là au village. Oui, j'ai été ici. Ici, j'ai été. Et est-ce qu'il faudrait pas passer par cette grotte là? Parce que cette grotte, j'étais ressorti par là et puis c'est tout, mais il y avait rien de. On va retourner au village. Je vais retourner au village, voir ce que les gens ont à dire. Parce que. Oula, attendez, c'est quoi ça? J'ai pas été là. Si, c'est le début ça. Oui, si, c'est le début là. J'ai été là. Donc, bon, mais c'est bien beau d'avoir un chocobo et de voler, mais du coup... Voilà. Alors, messieurs, dames. Il y a beaucoup de tremblements de terre sur notre île, chaque fois un tourbillon... non, attendez, à moins que... Parce que eux, ils nous avaient... Et ils avaient dit qu'il y avait des problèmes sur leur île, mais ça s'était arrêté là. Alors, je suis en train de me demander, est-ce qu'il faudrait pas revenir au village de Joule? Je crois que c'est ça, non? Est-ce qu'il faudrait pas revenir là-bas? Parce que là-bas, ils nous avaient parlé de l'île. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un à qui j'ai pas parlé qui nous donnerait un moyen d'y accéder. Notamment, je pense, par ces deux espèces de deux grottes qui sont là, qui sont assez bizarres. Donc je pense que c'est ça. Soldats de cyanure, allez, disparaissez.
Ok. Alors. Jacol, pardon, pas Joule. Les habitants de notre village. Oui, non, mais ça je m'en fous. C'est vrai que j'avais pas parlé à tout le monde. Nous avons trouvé des armes et des pièces d'équipement dans la grotte située au nord d'ici. Vous pouvez vous les procurer dans nos magasins. D'accord, c'est pour ça que tous les coffres étaient vides. Mon père est un aventurier, il est parti découvrir le monde. Oui, mais c'est pas ça qui m'intéresse, moi. Mon grand-père était un aventurier, il disait que quelque chose était dissimulé sous l'île. Oui, mais comment on y va sur cette île, justement? C'est ça qui m'intéresse. Il y a 500 ans, nos ancêtres possédaient une culture développée. Ouais. Les ruines. Il était interdit d'y pénétrer, mais vous savez, les jeunes aujourd'hui n'écoutent personne. Quelle ruine? Ça, non, mais moi ça m'intéresse. De quelle ruine tu parles? J'ai pas vu de ruine, moi. Est-ce que c'est les ruines du désert, peut-être? Oui, mais comment j'y vais dans ce cas? Très loin à l'est d'ici, située sur l'île de Lunul, vous en avez... Et située l'île de Lunul, vous en avez entendu parler. Elle a la forme d'un croissant, comme c'est approprié. Ah non, 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 l'île, d'accord, c'est l'île dont il parle, c'est là-bas, c'est l'île de Lunul, d'accord. Autant pour moi, j'ai été là-bas. Vous avez évité les chutes des stories. Elles sont immenses, j'aimerais bien y aller, ouais. Attendez, au pub. Non, alors c'est vraiment là-bas qu'il faut aller. Les jeunes d'aujourd'hui et leur soif d'aventure, ouais. Attendez patiemment près de la rangée de boutons en forme de crâne pour savoir lequel vous devez appuyer. Oui, ça je sais, mais au final il n'y avait rien dans cette grotte. Au fond de la grotte, vous pourrez atteindre la surface en escaladant le mur. Oui, mais ça sert à quoi? Ces aventuriers auront déjà récupéré la plupart des trésors de la grotte. Vous pouvez tout de même y aller, jeter un oeil si ça vous dit. Les anciens ont peut-être installé un dispositif qui... J'ai dû louper quelque chose dans cette grotte alors. Les anciens ont parsemé la grotte au nord d'ici de pièges. Faites gaffe. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on retourne dans la grotte peut-être? Bon, on va aller voir, hein. C'est vrai que moi ça me paraît bizarre qu'il y ait rien dans cette grotte, hein, malgré tout, hein, mais... Mais bon, en même temps... Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il y a un passage secret qui permet d'atteindre l'île. Ou alors il faut aller sur l'île en forme de croissant, effectivement. Et de là, j'ai loupé quelque chose. C'est pas impossible du tout, Faris. Gagne un niveau. Alors, voyons. Donc là. Tac, tac, tac. Après, on va là. On attend. Je vérifie quand même, mais il n'y a pas de passage. Allez, noisette, disparaissez. Non, il n'y a pas de passage là. Allez, on attend. Lui, il fait toujours aussi mal. Ok. Donc là, il faut activer le levier. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, je comprends pas l'intérêt, si vous voulez, de... Je comprends pas l'intérêt de devoir escalader le mur pour sortir en fait. À part pour me soigner, éventuellement, ouais. Allez, on va dire ça, à part pour me soigner, mais sinon je vois pas tellement l'intérêt. Donc, je sais pas, c'est bizarre. Donc là, on est bien d'accord que il y a rien de particulier. À gauche, il y avait des coffres. Attendez, à moins que... Ah, si, je sais. Il faut retourner voir Sid et Mid. Parce qu'après tout, ils ont dit, si vous avez... nous, on va retourner à la bibliothèque des anciens chercher des infos. Je suis sûr, c'est là-bas qu'il faut aller. En fait, il faut retourner les voir. Ah, c'est peut-être ça. Ouais, 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 ça doit être ça. Ça doit être ça, ça doit être ça. Bon, ok, alors, on ressort de là. Allez, disparaissez les vermines. Voilà. Donc,
mon chocobo. Alors, la bibliothèque des anciens, ça tombe bien, elle est pas loin. Et juste là. Alors. Voilà, c'est ça. Vous voilà enfin. Cid, nous avons trouvé l'île en forme de croissant. Mais le navire a coulé. Oh. Peu importe, nous en construirons un autre. J'ai des nouvelles importantes. Nous avons trouvé le roi de Tycoon. Comment? On l'a aperçu à Karnak. Il se dirigeait vers le désert et les sables mouvants. Des sables mouvants? C'est le désert situé à l'ouest d'ici. Les sables de ce désert engloutissent quiconque s'y aventurait. Il est impossible de traverser le désert. La légende raconte que les ruines de la ville de Gon sont situées au-delà du désert, mais... Si personne ne peut traverser le désert, comment le roi a-t-il pu faire? Excellente question. Des témoins prétendent qu'il lévitait. Il lévitait? Père... Allons, nous n'avons pas une seconde à perdre. Nous ne savons toujours pas comment traverser le désert. Nous pourrons discuter une fois que nous serons rendus là-bas. Ne me dis pas qu'un peu de sable t'effraie, l'ancêtre. Allons-y. Bon, très bien. Donc c'est par là. Alors on va sauvegarder à l'entrée du désert malgré tout. On sait jamais. Voilà. Et là, le désert n'a pas changé pourtant. Hein. Nous n'avons aucune chance. Attendez! Il est trop tôt pour abandonner. Nous construirons un pont. C'est risqué, mais vous aimez les défis, pas vrai? Alors voici notre pont. Premièrement, nous appelons le ver de sable. Ensuite, vous le combattez. Et voilà votre pont. Ouais. Ce n'est pas le plan le plus complexe qui soit. Pourquoi trouver une solution complexe quand la simplicité est de mise? Bon, appelez-le. Je vais appeler le ver des sables. Vous êtes prêts? Oui, allons-y. J'oubliais, si vous lancez un sort sur le ver des sables, vous le regretterez. Ouais, merci de me prévenir. Parce que moi, je comptais envoyer des sorts de glacier, justement. Alors, pas de sort, a-t-il dit. Très bien. Donc, attaquer le ver de sable. Magie blanche. On va se soigner pour commencer. On lance pas de sort, on attaque le ver de sable. On attaque le ver de sable. Et le Ezuna n'a pas marché. Bon, dans ce cas-là, il va falloir se soigner. Alors, attaquer le ver de sable. Magie blanche, soin plus sur tout le monde. Attaquer le ver de sable et attaquer le ver de sable. Alors, pif. Tu soignes. Tu attaques. Alors pourquoi je le fais pas en automatique? Simplement parce que sinon ils vont attaquer toujours le deuxième trou et quand le ver de sable ne sera plus là, ça servira à rien. Allez. Bon, tu veux pas mourir sinon?
Allez, si t'as envie de mourir, allez, allez. Non, le verre de sable, pas le trou. Parfait. Bravo! Vous pourrez maintenant traverser le désert. Ouais. Prenez soin du chocobo noir pendant notre absence. Bonne chance. Alors allons-y. Soyez prudents. Allons-y, allons-y. Très bien. Cette musique me fait beaucoup penser à Kuja. Je sais pas vous, mais... Alors on peut aller à gauche ou alors je pourrais aller à droite là. Alors toi tu vas attaquer. Non, pas parer. Attaquer. Attaquer. Allez. Donc là. Je peux descendre, sinon, voyons voir. Je peux aller à gauche. Pourquoi je pourrais aller à gauche? Quel est l'intérêt de m'amener là? Il a une sacrée vitesse, hein, Galuf, t'empêche. Alors, on monte. Tac, tac, tac. Ça ne sert à rien. Ok, d'accord. Par contre, quand je suis sur les sables... pas dire mouvant, mais presque, mine de rien, ça compte comme des déplacements, visiblement. Ok, bon bah dans ce cas, si ça sert à rien, hop. Alors là, je peux aller à droite, voir, tac, 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 ensuite tac. Le tueur du désert, à part s'enfuir, il fait pas grand chose, hein. Là, si je vais... Là, ça fait tac, tac. Hop, 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 non. Ah. Ah, d'accord, je peux... D'accord, ok. Je croyais que j'étais bloqué, en fait, non, je peux descendre. Ok, très bien. Donc, si je peux descendre, il faut descendre au bon endroit, maintenant. Ah, tu t'es pas enfui, bien. Parfait. Alors là, je reviens là. Hop. Donc si je fais comme ça, ça m'amène à droite. Ok. Faudra que je pense à les soigner à la fin du combat. Objet. Pas objet, compétence. Non, pas compétence. Magie, on va y arriver, de Léna. Magie blanche, soin plus. Voilà. Donc là. Ouais, là je peux continuer. Alors attendez, avant de prendre le sable. Bah ouais, allez, tac. Tac, tac. Visiblement, il n'y a pas l'air d'y avoir de coffre dans le coin. Alors, tac, tac. Et là je sors. Il n'y a pas l'air d'y avoir de coffre, il y a plusieurs chemins mais j'en ai pas aperçu, donc bon, au pire c'est pas très grave. Voilà, la traversée du désert est faite. Alors direction le village qui est là-bas. Alors c'est quoi ce village? Ruines de la ville de Gon. Ah, ce doit être les ruines dont Cid nous a parlé. Il reste pas grand chose de cet endroit. Je vérifie qu'il n'y a rien. A priori, non. C'était le roi de Tycoon?
Où est-ce qu'il est parti? Bon, on a passé l'âge de jouer à cache-cache, vous savez. Non mais... Vous serez pas en train de vous foutre de ma gueule, là? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pourquoi tu voulais pas que j'aille là-bas? Non mais... On a passé l'âge de jouer à cache-cache, franchement. Père! Papa? Ouais, ben là, voilà. Et on en a perdu un... Faris! Je le savais bien! Tu es ma sœur aînée! Désolé, je n'en étais pas certaine. J'aurais dû t'en parler plus tôt. Faris! Léna. C'est pour ça qu'elle, en tant que capitaine des pirates, elle avait accepté dès le début de nous aider. Hein. Où sommes-nous? Quel endroit étrange! Dites, où est passé l'ancêtre? Il n'est pas avec nous? Nous avons dû être séparés en tombant. Bon, je suis sûr qu'il n'a rien. C'est un dur à cuire. Il nous rejoindra sans doute plus tard. Allons-y! Un instant, tu pensais pouvoir te débarrasser de moi aussi facilement? Désolé. Bon, très bien. Très bien, très bien. Alors, c'est quoi cet endroit? Les ruines d'une ancienne civilisation qui, forcément, est plus avancée que nous. Qu'est-ce que c'est? Ah, un point de téléportation, d'accord. Et là, on va se retrouver vers l'île qui est... Non? Oui? Non? Oui? Non. Non, on est sous la ville, sous l'île du croissant, d'accord. Attention! Et on ne peut revenir en arrière. Bon, très bien. Très bien. Pendant ce temps... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est rentré à la maison, d'accord. T'étais pas censé veiller sur... nous? Il a l'air heureux d'être rentré chez lui. Bart serait fier de nous. Nous en avons pris grand soin. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oh, ces trucs sont dangereux. C'était un téléporteur. Il a probablement été surchargé parce qu'il n'avait pas été utilisé depuis longtemps. Ouais. Bah on verra ça, mais on verra ça dans le prochain épisode. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Vous connaissez la formule, laissez un petit pouce bleu et donnez votre avis dans les commentaires. Salut tout le monde !